C'était vraiment génial cette soirée. Je ne te le fais pas dire. Revois tous ces anciens camarades de lycée, ça fait revivre les vieux souvenirs. Mmh. Tu prends bien soin de toi et tu m'embrasses la petite Saïda. Je lui ferai un gros bisou de ta part. J'espère que tu vas nous recevoir le mois prochain, comme tu sais si bien le faire. Bon, ne t'en fais pas. Chez nous, Yakoums, nous recevons toujours nos invités de la plus belle des manières. Vous ne serez pas déçus, madame. Tu sais, cette maison me fait souvent peur très tard dans la nuit. Ouais, moi aussi. Tu devrais déjà être habituée. Tu as grandi ici, non? C'est vrai, mais je souffre toujours de son absence. Je pense qu'il va me falloir beaucoup plus de temps. Tu as certainement raison. Mais il commence à se faire tard. Je dois partir. On se voit demain comme prévu. Ok, je vais te laisser à la porte. Chérie, je sais que tu te poses trop de questions, mais ça va aller très bien tout à l'heure. Ton père t'aimait plus que tout au monde. Je sais, chérie. Merci. Avant de commencer, permettez-moi une fois de plus de vous présenter mes sincères condoléances. Surtout à vous deux, moi aussi Endom. Vous avez certes grandi dans des domiciles différents, mais croyez-moi, votre père vous aimait très fort. Madame Dom, je vais vous demander de nous excuser. Je veux lire ce testament uniquement en présence des enfants. Non, maître, elle peut rester. Elle fait déjà entièrement partie de la famille et je ne trouve pas d'inconvénient à ce qu'elle reste. Un grand frère. Non, ça va aller. Maître Banaga, vous pourrez continuer.
Ok, si vous insistez. Comme stipulé dans la lecture du testament du sieur Ndom. Grand frère, je ne te remercierai jamais assez pour tout. Tu as toujours été si présent pour moi. Et pourtant, ta mère ne voulait pas entendre parler de mon existence. Mais je peux la comprendre. Car accepter que son mari ait fait un enfant hors mariage est... Moi aussi, c'est vrai. Nos mamans ont fait tout pour nous éloigner l'un de l'autre. Mais papa a fait carrément tout le contraire. Regarde aujourd'hui. Toi et moi, nous vivons comme si on se connaît depuis longtemps. Et puis, n'oublie pas une chose. Je suis ton grand frère. Je dois te protéger quand le besoin se fera sentir. Oh, tu es si spécial, grand frère. Merci de toujours être là pour moi. Mais Sinkwe, 25 millions de hommes, c'est une très belle somme d'argent. C'est vrai, Odo. Mais Dom a contracté une très forte dette s'il y a de cela un an. Et avec les intérêts, il nous faut au moins 5 millions de hommes pour être quitte avec nos engagements. Je te comprends. Mais quelle a été sa réaction lorsqu'il a appris que sa demi-sœur et lui avaient le même héritage? Je ne sais quoi te dire. Mais Dom n'en fait aucun cas. Il refuse de croire que le partage a été injuste, soi-disant que sa sœur et lui ont les mêmes droits. Maintenant que l'argent ne suffit même pas pour couvrir la totalité de la dette, que dit-il de votre projet d'enfanter? Vos dépenses pour la fécondation in vitro, vous y avez pensé? Tinkwe, je sais que être mère te tient fortement à cœur. Excuse-moi, je ne voulais pas t'offenser. Ça va, Oudou. Tu sais, tu es ma meilleure amie. Et tu me connais depuis bien longtemps que mon Dom. Je sais que tu ne veux que mon bien. En effet, crois-moi.
Et je ferai toujours tout ce qui est en mon pouvoir pour être présente quand tu as besoin de moi. Le temps presse, Sinkwi. Après 8 ans de mariage, il est temps que tu fasses cet enfant. Quel que soit ce que ça te coûtera. Même si pour cela, il te faudra faire du chantage, Andom. Jusqu'à présent, je ne comprends toujours pas ton attitude. Oui, c'est vrai que tu as fait une avance au créancier. Oui, c'est aussi vrai qu'ils t'ont donné un peu de temps pour que tu puisses solder le reste. Mais où vas-tu prendre cela? Et ce qui me fait le plus mal, c'est que j'ai l'impression que tu oublies l'essentiel. J'ai besoin de porter mon enfant. Mon propre enfant. Alors, je ne me laisserai pas faire. J'ai longtemps entendu tes promesses. Chérie, je n'ai pas vraiment le choix. Je dois d'abord rembourser l'intégralité des dettes plus les intérêts. Ça, c'est un problème. Je ferai tout mon possible pour avoir cet enfant avec ou sans ton aide. Chérie, s'il te plaît, il se fait tard. Ça va aller. Nous allons trouver une solution, je te le promets. S'il te plaît, mon amour, viens te coucher. Je t'en prie. J'espère que nous trouverons vraiment cette solution. Promis, chérie.
À partir de cette simulation, vous observez bien comment le processus va se dérouler. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter. En Afrique, notre hôpital est parmi les pionniers en procréation médicalement assistée. Vous n'avez plus besoin de partir dans le monde pour la pratiquer. Madame, tout va bien? Oui, docteur. Allez-y, continuez avec votre démonstration. Docteur. Oui, monsieur. Ça nous coûtera combien tout le processus? Monsieur Ndom, je tiens tout d'abord à vous dire qu'un enfant, ça n'a pas de prix. L'opération vous coûtera 4,5 millions de ouïes. Nyambe. 4,5 millions de ouïes, madame. Monsieur, ce montant inclut le suivi avant, pendant et après l'opération. Et également les actes médicaux nécessaires pour réaliser le traitement. Et je tiens également à souligner qu'il inclut 3 tentatives au maximum. Docteur, et si après les 3 tentatives, nous n'avons toujours pas le bébé? Monsieur Ndom, soyons optimistes. Dans la mesure où son organisme ne supporte pas cette nouvelle technique de PMA, nous serons dans l'obligation de passer par une GPA. Bien que nous n'ayons pas les textes clairs au niveau de la loi camerounaise par rapport à cette nouvelle technique. Chérie, pourquoi tu te mets dans cet état? Cet hôpital est le meilleur dans toute la sous-région en termes de procréation assistée. Monsieur Ndom, je vois dans le dossier de votre épouse que vous avez fait plusieurs tentatives dans les cliniques qui n'avaient pas grande expérience en la matière. Si vous aviez écouté votre épouse un peu plus tôt, à la date actuelle, vous auriez probablement déjà votre enfant qui vous saute dans les bras. Madame, vous n'avez pas besoin de vous mettre dans cet état. Calmez-vous, ok? Ça lui passera. Merci, docteur. Je vous en prie. Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Chérie, nous avons tant besoin de cet enfant. S'il te plaît, viens pas se réasseoir et prenons une date pour commencer les examens. Mais tu ne trouves pas qu'elle est assez chère, cet hôpital? Mais c'est le meilleur du pays, chérie. Et où allons-nous trouver cet argent avec la situation que nous traversons? Mon cœur, si tu as vraiment besoin de cet enfant, on trouvera l'argent. S'il te plaît, viens pas voir les détails avec le médecin. Je suis sincèrement désolé, chérie. On y va, je vais m'excuser chez le médecin. Nous rentrons de l'hôpital ensemble et tu viens te cacher pour lire tes SMS? J'ai reçu un message urgent et il fallait que je reprenne au plus tôt. De quoi s'agit-il pour que ce soit si important? Rien du tout. Juste quelques photos qu'un collègue du bureau m'a envoyées. Un collègue, tu dis? Je peux voir ça? Depuis quand ce que je regarde à mon téléphone t'intéresse? Chérie, je
pense qu'on s'était déjà accordé sur l'ordre des priorités. Pour le moment, nous devons d'abord payer nos dettes. Ensuite, la fécondation in vitro. Le véhicule peut venir après. Oui, c'est ça. Quand il s'agit de moi, ça doit attendre. Est-ce que tu as au moins pris la peine de regarder le prix de cette voiture avec un porte-bébé intégré? Je te rappelle que c'est deux fois moins cher que celle de la dernière fois. Cinque. J'ai un véhicule que tu peux utiliser à ta guise quand le bébé sera là. Mais pour l'instant, on ne peut se permettre aucun extra. Ok, ok, laissons tomber. Mais comme je t'ai dit, demain j'irai voir ta soeur après ses cours. Je lui demanderai un prêt. Elle te doit bien ça. Cet argent te revenait entièrement. Ou du moins sur trois quarts. Elle n'est qu'une profiteuse. Non, chérie. Je peux tout te permettre, mais pas ça. Moi, si tu fais partie de ma famille, je ne saurais te laisser la vilipender ainsi. Et de toutes les manières, c'est nous qui avons plus besoin d'elle et non l'inverse. J'irai chez moi aussi aujourd'hui comme prévu. Je sais que ce n'est pas aussi important pour toi que moi d'avoir cet enfant. Oui, ça se voit. Le plus important pour toi, c'est de rembourser entièrement tes dettes. Ça devrait l'être aussi pour toi, madame. Car rends-toi compte, si nous perdons cette maison dans laquelle nous vivons aujourd'hui, ou alors si j'allais en prison, cet enfant que tu souhaites tant, il va se retrouver sans toi ni père. C'est formidable. Tu parles comme si j'étais envoyé emprunter de l'argent pour tes affaires qui n'ont jamais mené à rien. Si ce n'est nous endetter. Tu sais, je ne veux pas me disputer avec toi aujourd'hui. Tu connais très bien le domicile de Mossi. Pas besoin de permission pour y aller. À tout à l'heure. Voilà, Cinque. Comme je te le disais, c'est mieux que tu lises par toi-même. Tiens, Mossi. Cette lettre t'est personnellement destinée. Tu l'ouvriras une fois à la maison. Je suis sincèrement désolée, Cinque. Je n'hésiterai pas à vous venir en aide. Mais comme tu peux le constater, papa avait décidé que je n'entrerai en possession de mon héritage que lorsque j'aurai atteint mes 21 ans. Et au cas où il m'arriverait malheur, Dom sera le seul responsable de cet argent. Je ne sais vraiment quoi dire. Merci d'être si sincère avec moi, Moussi. Mais Dom connaît-il le contenu de cette lettre? Non, il n'en a jamais fait allusion. Et à chaque fois que je vais en parler, il me dit qu'il m'aime et que le reste importait peu. Moussi, tu as un grand frère exceptionnel. C'est toi qui as tiré sur la plus belle des quatre, en le choisissant comme l'homme de ta vie. Ne t'en fais pas. Même si vous ne parvenez pas à avoir cet argent, dans un an, je pourrai jouir de mon héritage et je vous donnerai la somme manquante. Je suis de tout cœur avec vous. Il faut un héritage à mon grand frère chéri, hein? D'accord. Il faut que je rentre. Je pense que je vais t'accompagner. Ça fait un bon bout et ensuite tu arrives à la maison. Donne ma minute. Bonsoir chérie. Waouh, moi aussi. Comment tu vas, ma grande? Ça va? Ah, Oudou, c'est une très belle surprise que tu me fais là. Et en plus, tu es venue avec Saïda. Je passais dans le quartier, j'ai décidé de vous rendre visite. Heureusement, monsieur a bien voulu nous tenir compagnie le temps que tu reviennes. Chérie, moi, bonjour, maman, Melanda. Ouais, mais Adou, manga, barayon, mais bon, hein. Demain, il est un homme bétan.
En tout cas, grand frère, je pense que tu nous aurais interrompus. Hein, Sinkoui? Oui, tu as raison, moi aussi. J'espère que vous allez manger le succulent héros que j'ai fait aujourd'hui. Ah non, Sinkoui, ne t'inquiète pas. Nous, on s'apprêtait à partir. Non. Tu ne peux quand même pas faire ça, Oudou. Tu ne peux pas venir chez moi avec ma fiole et tu me dis que tu ne vas pas manger. Ça, je ne te le pardonnerai jamais. En tout cas, moi, je ne raterai pas ce délice. Le héros, c'est ma mort. Odo, tu restes dîner avec nous ce soir, s'il te plaît. Saïda, tu restes avec nous ce soir, ma grande? Oui, papa. Mmh. Wow. Et en plus, elle est polie, la petite. Elle t'a appelé papa? Oui, c'est l'éducation que je lui donne. Elle appelle toutes les personnes d'un certain âge, papa. Tu vois, nous sommes 4-1. Ça veut dire que tu restes. La démocratie a triomphé. J'espère au moins que les résultats ne sont pas truqués. Hein. Ok. Je reste. Vive la démocratie. Suis-moi. Sinkoui, tout va bien, j'espère. Non, Odo. Après 8 ans de mariage, je n'ai toujours pas enfanté. Comment pourrais-je être heureuse? Comment? Ah, non, ma chérie. Ne te mets pas dans cet état. Sois optimiste, Sinkoui. Penser aux choses négatives ne ferait qu'empirer la situation. Oh. Je suis vraiment désolée, Sinkoui. Si je pouvais vous trouver cet argent, je le ferais sans hésiter. Mais prends courage. Il y a toujours une solution à tout. Hey, mesdames, vous en avez encore pour longtemps? On a faim, nous. Je pense qu'on devrait y aller. Nous ne vont plus tenir. Saïda, tu reviens nous voir bientôt, d'accord? Saïda, sois sage à l'école, compris? Oui, tata, merci. Alors? Allez, vous faites bonne route, hein? J'ai lu le contenu de la lettre que le notaire a remis à Mossi ce jour-là. Pardon? Je ne comprends pas. Elle t'a montré le contenu de sa lettre? Oui. Je lui ai expliqué notre situation. Et le fait que tu aies remboursé tes nombreuses dettes avec l'argent que tu as reçu de l'héritage. Et aussi le fait que j'ai absolument besoin d'un enfant. Non. Non, chérie. Tu ne lui as pas dit ça. Elle ne devait pas savoir pour les dettes. Chérie, tu penses que j'avais le choix? J'ai besoin de cet enfant. Il fallait que je sois franche avec elle. Sinon, comment est-ce que je devais lui expliquer que j'avais besoin d'argent, alors que vous avez eu la même somme? C'est la raison pour laquelle elle m'a montré la lettre que contenait son enveloppe, qui stipule qu'elle ne peut entrer en possession de son héritage qu'à l'âge de 21 ans. Donc, pour le moment, elle ne peut que toucher une pension pour vivre et payer son loyer. Donc, si je comprends bien,
Papa n'a pas permis à Mossi de jouir de son argent avant ses 21 ans. Et il y a autre chose. Quoi? Tu es la seule personne que ton père a désignée comme gestionnaire des biens de Mossi, au cas où il y arrivait quelque chose de grave. Quelque chose de grave? C'est-à-dire? Si elle décédait, par exemple. Chérie, je crois que j'en ai assez entendu pour ce soir. Ma journée est chargée demain. Donc, s'il te plaît, permets-moi de me reposer. Chérie, est-ce que tu as bien compris ce que je viens de dire? Dis-la. Pangeboué. Je me sens très mal. Mes chances d'enfanter se réduisent de jour en jour. Je ne sais plus quoi faire. Calme-toi, Sinkwe. Ça va aller. En passant, je trouve cette maison bien calme ce week-end. Saïd est allé chez ma mère. Mais j'aimerais bien savoir, sais-tu dans quoi Ndoma a mis tout cet argent? Tu sais, je ne maîtrise vraiment pas dans quoi il a investi. Il m'a juste informé lorsque nous étions déjà découverts à la banque. Et malgré ça, il a continué à emprunter de l'argent par-ci et par-là, au point où même son héritage y est passé pour rembourser les dettes. Vraiment, des hommes. Comment peut-il prendre autant de risques avec l'argent sans demander ton avis? C'est tout ça qui me fait mal. Que sa famille se moque de moi parce que je n'ai pas encore enfanté. Et lui qui met notre argent dans des business en tête ni queue. Courage, ma soeur. Mais as-tu rencontré Mossi? On ne sait jamais, elle pourra vous trouver la somme qu'il faut pour la fécondation. Ce n'est pas possible pour le moment. Mossi ne pourra entrer en possession de son héritage qu'à l'âge de 21 ans. Sauf si quoi, Sinkwe? D'après le testament que le notaire a remis à Mossi, Dom est le seul gestionnaire de l'argent de celle-ci au cas où quelque chose de grave lui arrivait ou si elle décédait. Quoi? Oui, je t'ai dit. Attends, Sinkwe. J'espère que tu n'as pas des idées obscures. Que tu ne penses pas à ce que je vois souvent dans les films là. Loin de là, ma sœur. C'est vrai que je suis prête à tout pour avoir un enfant, mais je suis quand même pas une meurtrière. Tu sais, ma sœur, j'ai lu quelque part que de l'abondance du cœur, la bouche parle. S'il te plaît, enlève toute idée obscure de ton esprit. Ça va, Oudou. Laisse tomber. Tu me connais depuis longtemps et tu sais que je ne suis pas capable de tuer une mouche. Bonjour chérie, j'ai eu un appel urgent du boulot, je serai de retour bientôt. Encore désolé pour nos disputes, juste que actuellement c'est très difficile et je n'ai pas de solution. Je t'aime.
Mon contrat s'arrête ici. Je laisse toujours les gens terminer leur propre boulot. Quoi? Comment vous pouvez dire ça? On a pourtant conclu un marché. Calmez-vous, madame. Denis, avec cette arme, ça ira très vite. Utilisez l'un des oreillers du lit pour que ça fasse moins de bruit. Je vous attends au salon. Je suis sincèrement désolée, Mossi. J'ai besoin d'un enfant maintenant. Après, il se fera tard. Mets-toi à ma place. Tu feras certainement la même chose. Tu m'as fait peur. Désolée, chère. Mais pourquoi tu as si peur? Non. Comment se fait-il que tu sois à la maison à cette heure? Il est à peine 10 heures. C'est une longue histoire, chérie. Mais et toi, d'où sortir par ailleurs? Et puis, pourquoi tu restes plantée là? Tu viens pas m'embrasser? Reste là où tu es. Je vais pas prendre ma douche et je te rejoins. Je ne me le ferai pas dire deux fois. Tu vas me trouver allongée sur le lit. Chérie, je suis tout à toi. Chérie. Tu criais lorsque je m'apprêtais à aller au boulot et j'ai couru pour te réveiller. S'il te plaît. J'ai fait un cauchemar. C'est moi très fort, chérie. Chérie, j'aurais bien voulu savoir de quoi tu as rêvé, mais j'ai une urgence au bureau. Je t'ai laissé un mot sur mon chevet.
Allô, Oudo? Je me sens pas très bien. Tu peux venir à la maison, s'il te plaît? Je suis un peu prise par certaines courses pour le boulot. Retrouvons-nous plutôt au salon de thé qui est au carrefour de la place des fêtes à Bonamikano. Ok. Ah, Oudou, si tu pouvais imaginer comme j'ai peur. Et depuis plus d'une heure, j'essaie d'appeler moi aussi. Je tombe toujours sur sa messagerie. Tu te mets des idées dans la tête pour rien. Arrête de paniquer. Ce n'est qu'un rêve et rien de plus. Moussi est certainement occupée. Lorsqu'elle verra tes appels, elle te fera signe. Salut, barista. Bonjour, monsieur. Je crois que c'est cet homme. Quel homme? Celui qui m'a aidé à tuer moi aussi dans mon rêve. Hey, tu parles trop fort. Tu es sûr que vous ne vous êtes jamais vu avant? Je veux dire, tu fais peut-être une confusion. Jamais. Je n'ai jamais rencontré cet homme à part dans mon rêve, bien sûr. Arrête, Singui. Tu délires vraiment. Je peux comprendre que tu constates des similitudes avec des objets dans ta maison. Mais de là à reconnaître quelqu'un que tu n'as jamais vu auparavant. Je commence à me poser des questions. Mon contrat s'arrête ici. Je laisse toujours le soin aux gens de terminer leur sale boulot. Oui, chérie. Qu'est-ce qui se passe? Cinq. 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 Ça va, ma puce? Hey, cinq. Cinq, ma puce. Tu es sûr que tout va bien? Cinq. Cinq. Cinq, dis quelque chose. Cinq, dis quelque chose. Cinq. Hey, ma belle. Cinq. 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 Chérie, je trouve ces photos très choquantes. Vu ton état de santé, je préfère que tu ne les regardes pas. Oui, madame. Ça sera assez difficile pour vous. Je vais voir ces photos, s'il vous plaît. Montrez-les-moi. Vous comprenez donc pourquoi je ne voulais pas vous les montrer. Monsieur Ndam, nous avons constaté que votre sœur est morte entre 5 et 7 heures du matin. Où étiez-vous à cette heure-là? Inspecteur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'étais avec mon épouse. Ensuite, je suis allé à mon lieu de service. Mes collègues peuvent en témoigner. Madame Dom, vous confirmez cela? Madame Dom? Oui, monsieur l'inspecteur. Je le confirme. Donc, vous confirmez que aucun d'entre vous n'est sorti de la maison? Oui, monsieur l'inspecteur. Nous étions dans notre lit à cette heure-là. Et vous, madame? Où étiez-vous à cette heure? Moi, inspecteur? Oui. Je me dois d'interroger tout l'entourage du couple Ndom. Ok. J'ai posé ma fille à l'école à 7h30. Ensuite, j'ai fait quelques courses, puis j'ai foncé au boulot. Après, j'ai retrouvé mon ami pointé pendant ma pause. Ok. Je vais donc continuer mes investigations ailleurs. Ceux qui ont fait ça ont essayé de nous faire croire un cambriolage.
mais on ne ligote pas sa victime. De surcroît, une jeune femme sans défense. Lui mettre une patte dans la tête juste pour lui voler des bijoux. C'est un meurtre maquillé. Et on finira par mettre la main sur les véritables coupables de ce crime. Je vous demanderai donc de rester disponible et joignable. Sur ce, bonne fin de journée. Ok, inspecteur. Je vous raccompagne. Je vous écoute, Madame Dom. Monsieur l'inspecteur, je n'arrive pas à fermer l'œil de la nuit. Le décès de ma belle-sœur me perturbe tellement. Et pourtant, vous devriez être satisfaite. D'après mes enquêtes, vous n'étiez pas content du fait que votre beau-père laisse tout cet argent à moi aussi. Car vous en avez besoin pour votre problème de conception. Et maintenant, votre époux héritera de tout cet argent. Que voulez-vous insinuer, inspecteur? J'aimais ma sœur plus que tout. Vous pensez que j'aurais commandité ce meurtre pour une histoire d'héritage? Ici, c'est moi qui pose la question, monsieur Ndom. Il m'a été rapporté que votre femme était en colère parce que votre défunt père a décidé de partager son héritage à part égale entre vous et votre demi-sœur. C'est vrai, monsieur l'inspecteur, que j'étais amère contre mon beau-père. Mais je m'aime aussi. Et jamais je ne pouvais lever mon petit doigt contre elle ou quiconque. Ils disent tout ça. Quand ils arrivent ici, ils ne sont jamais coupables. Mais soyez rassuré d'une chose, monsieur Ndom. Je finirai par retrouver le coupable. Ça, je puis vous l'assurer. Je donnerai tout pour que vous retrouviez ce coupable. Je suis prêt à tout pour que justice soit faite. Qu'est-ce qui vous perturbe tant, madame Ndom? Monsieur l'inspecteur, ce que je vais vous dire vous paraîtra peut-être étrange. Certainement, vous me prendrez pour la coupable de ce meurtre. Mais il faut que je me libère de ce poids. Moi aussi ne méritais pas ça. Madame Dom, si vous voulez passer aux aveux, allez-y. Ça me permettra d'aller élucider une autre affaire. Vous savez, à 11 ans de service, j'ai déjà tout vu et entendu. Rien ne pourra plus me surprendre. Oui, inspecteur. Elle me racontait son rêve lorsque subitement l'homme à noir qu'elle décrivait dans son rêve est entré dans le restaurant et a pris place non loin de nous. Je pourrais même dire qu'elle a prophétisé la mort de sa belle-sœur avec des détails très précis. Monsieur l'inspecteur, voilà pourquoi quand vous étiez à la maison il y a 2 jours, j'étais si angoissée. Car le rêve que j'ai fait au petit matin se reproduisait identiquement. Sauf que ce jour-là, je ne me suis pas rendue chez moi aussi. Étrange. Vraiment étrange. Je croyais avoir tout entendu et vu en 11 ans de carrière. Cela crée la confusion dans mon esprit, inspecteur. Ok. L'enquête ne fait que commencer. Malgré votre bonne foi, vous êtes ma principale suspecte. Je vous recontacterai. Oui. Comme je te l'ai dit au téléphone, cette enquête ressemble à 2 gouttes d'eau à une autre que j'ai résolue il y a quelques années déjà. Papa, cette enquête m'a prouvé qu'après 11 ans de carrière, on peut ne pas avoir tout vu. Et tu comprends pourquoi je ne peux me passer de toi. Je sais, fiston. Mais laisse ta fierté et écoute-moi. Quand tu rentreras à ton poste, cherche aux archives le dossier CM M3-2011, affaire Monsieur Bois. Je peux t'assurer que c'est l'une des enquêtes les plus énigmatiques qu'on m'avait confiée. Et à cette période, tout avait été tellement bien orchestré pour accuser M. Porat du meurtre de son épouse. Inspecteur,
Comment ont-ils fait pour savoir à l'époque que M. Powa n'était pas coupable? Nous n'avons trouvé aucune trace de lui sur la scène du crime. Bien qu'il puisse nous raconter tout ce qui s'y était passé comme s'il était présent. Tout cela par rapport à un rêve qu'il avait fait. Après 6 mois d'investigation et plusieurs interrogatoires, nous avons constaté tout simplement que M. Powa avait été drogué. Drogué? Oui. Mais pas par n'importe quelle drogue. Nous avons su nommer cette plante le rêve réel, en attendant d'avoir un nom plus scientifique. Rêve réel? Oui, madame. À ce qu'il paraît, lorsque vous humez l'odeur de la fumée de cette plante, on peut vous faire croire tout ce qu'on veut, et ce, dans les moindres détails. Si bien que vous êtes capable de reconnaître des personnes et des choses que vous n'avez jamais vues auparavant. Mais inspecteur, comment est-ce possible? Madame, je ne saurais vous en dire plus. Juste un conseil. Ouvrez grandement vos yeux et vos oreilles. Aidez-moi à mettre la main sur les véritables coupables de ce meurtre. Rappelez-vous une chose. Personne n'est innocent. Alors, n'accordez aucune limite à vos recherches. Merci beaucoup, inspecteur. Je suis ravie de voir quelqu'un qui me croit. Je me mettrai à votre disposition. Chérie, ça fait un moment que je n'ai pas eu droit à ton sourire. C'est vrai que nous venons de faire le deuil de Mossi, mais tu devrais me sourire de temps en temps. Tu sais, mon amour, le contenu de ce dossier va faire de toi une mère. Et moi, le père le plus heureux de la terre. Même si c'est vrai que j'aurais voulu qu'elle soit là pour voir venir notre enfant. Chérie, même si nous remuons ciel et terre, nous ne saurons la ramener à la vie. C'est pourquoi j'ai décidé de sourire à la vie. Je crois, moi aussi l'aurais souhaité. J'espère que ça s'est bien passé chez le notaire. Comment tu as su qu'on se rendait chez le notaire? Cinque, dis-moi que c'est une blague. Tu m'as dit ça après les funérailles de Moussi il y a 3 jours. Excuse-moi, Oudou. Tu sais, j'ai quelques fuites de mémoire ces jours-ci. Je n'arrive vraiment pas à me souvenir de certaines choses. Mais ça va aller. Ne t'en fais pas. Ça va te passer. Et tu sais, je suis vraiment très heureuse pour toi. Enfin, tu auras de quoi faire un enfant et devenir maman. Même si ça arrivait dans des circonstances douloureuses. Chérie, il faut absolument que j'aille m'allonger. Ça cogne très fort dans ma tête. Ok, allons-y. Non, non, reste encore un peu avec Oudou. Elle vient juste d'arriver. Ah non, non, ne vous en faites pas pour moi. Donc, vous pouvez partir. Je peux me débrouiller toute seule. Cinque. Le plus important, c'est ta santé. OK? Merci, Oudou. Chérie, on y va.
Chérie, il n'y a pas un seul médicament pour les maux de tête. Je veux fouiller dans l'armoire du salon. Allô? Allô, Woudou? Oui, excuse-moi, Cinque, je voulais juste savoir si vous êtes bien arrivée. Oui, merci. Mais pourquoi tu ne m'as pas appelée sur mon téléphone? J'ai essayé, mais tu es toujours hors réseau. Je ne sais pas pourquoi. Ok. Tu n'as pas à t'inquiéter. Ça va aller. Tiens, chérie. J'arrive. Surprenant. Vraiment surprenant. Vous voyez donc ce que je vous disais la dernière fois? Et en plus, je remarque que cette chaussure n'est certainement pas la vôtre. Comment l'auriez-vous portée? Inspecteur, franchement, je ne comprends plus rien. Ce vêtement ressemble au vêtement que j'avais dans mon rêve. Oh, ni moi ni mon mari n'avons ce genre d'habit chez nous. Avez-vous informé votre mari? Pas encore. Je comptais le faire dès mon départ d'ici. Pour le moment, non. Nous ne devons prendre aucun risque. Il est préférable pour nous de ne rien dévoiler, car tout le monde est suspect. Faites profil bas. Ne changez rien de vos habitudes à la maison. Je crois que quelqu'un dans votre entourage essaye de vous manipuler. Inspecteur, vous pensez que mon mari peut avoir quelque chose à voir dans cette affaire? Tout le monde peut être coupable. Vous
Vous devez faire des efforts et essayer de vous rappeler de tout ce qui s'est passé avant votre rêve. C'est la seule clé pour résoudre cette énigme. Si nous savons qui vous a drogué, alors nous saurons qui est le véritable meurtrier de Mossi. Inspecteur, j'ai des violents maux de tête chaque fois que j'essaye de me rappeler de ce rêve. Je vous comprends certainement, Madame Dom. Mais vous devez nous aider à pouvoir mettre la main sur les véritables assassins de votre belle-sœur. Vous êtes la seule et unique personne qui nous rattache à ces personnes. Et aussi, vous devez être très prudente. Car votre vie est peut-être aussi en danger. Merci, inspecteur. J'oubliais, Madame Dom. Le numéro de Monsieur Powa. Monsieur Powa? Oui, c'est la première personne à avoir été droguée par cette plante. Je vous en avais parlé, rappelez-vous. Je pense que son expérience nous sera utile. Une rencontre avec lui pourra certainement nous aider à comprendre tout ce qui s'est passé ce jour-là. Merci, inspecteur. J'espère sincèrement avoir enfin trouvé toutes les réponses aux questions qui me taraudent l'esprit. Vous pouvez me joindre à tout moment, à toute heure, au cas où vous aurez des informations qui pourront nous aider à faire avancer l'enquête. D'accord. Merci beaucoup. Bonne journée, madame. Bonne Oui, c'est comment? Bien, les migraines sont passées. Ah, mais tu m'as pas dit que tu arrivais. Je suis très occupée là. Qu'est-ce qui t'occupe si bien que moi, ta soeur, je ne peux pas entrer chez toi? J'espère que tu ne t'es pas remise à flirter avec le père de Saïd. Je ne peux pas te répondre tout de suite. Fais-moi confiance, ma grande. Tu seras la première informée. Mais sache que le mariage, c'est probablement pour bientôt. Waouh! Je suis très heureuse pour toi. Et la petite, elle est où? Ah, Saïd a un congé chez sa grand-mère. Elle ne sera là que dans une semaine. Le temps pour moi de mettre certaines choses au clair, tu vois. Ok. Il faut que tu saches. J'étais chez l'inspecteur et il a une nouvelle piste. Ah bon? Je crois que... C'est une bonne nouvelle. Ok. Passe une très bonne journée. J'espère qu'on se reverra demain pour que tu me racontes ta soirée coquine. Merci, ma chérie. Chérie, tu ne prends pas le petit déjeuner? Non. J'ai des affaires très urgentes à régler. Et l'hôpital, quand prendrons-nous rendez-vous? Aussitôt que Maître Banaga a terminé avec les documents et que l'argent est transféré dans mon compte, je te promets, nous irons à l'hôpital. D'accord, mon amour. Je sais, je suis souvent très impatiente, mais tu dois aussi me comprendre. Autre chose, mon cœur. Oui. Oudou va se marier bientôt. Ah ouais? Mais ça, c'est une merveilleuse nouvelle, ça! Oh, Voodoo, j'espère qu'elle sera enfin heureuse. Ben écoute, il faut que je te laisse. À ce soir. D'accord, okay. Chérie. Je t'aime.
Voilà en fait ce que je traverse depuis un moment. Je n'arrive vraiment pas à me souvenir, Monsieur Power. Moi aussi, je suis passé par là, madame. Quand je pense que j'ai cru avoir tué mon épouse. Et je vous assure que ce n'est pas du tout facile. Cette plante est une sorte de drogue hallucinogène et même hypnotique très forte. John, ce qui signifie en langue yaku, rêve réel. Seuls les initiés de la tribu forestière des Yakum sont capables de manipuler cette plante de la sorte. Pardon, vous avez dit Yakum? Oui, madame. D'après mes recherches, ils utilisaient pour des guerriers qui allaient au combat. On les hypnotisait pour qu'ils ne ressentent pas la peur. Mais aujourd'hui, les esprits mal intentionnés l'utilisent pour brouiller les pistes de leurs mauvais forfaits, afin d'atteindre leurs objectifs. Et je ne voudrais plus y penser, madame. J'ai perdu mon épouse et j'ai failli faire la prison pour un crime que je n'avais pas commis. Je suis sincèrement désolée, Monsieur Poua. Je ne voulais pas vous faire ressasser cette période tragique de votre vie. Mais j'ai besoin des réponses, moi aussi. Aidez-moi, s'il vous plaît. Madame, généralement, je ne reçois pas des gens qui veulent en savoir plus sur cette plante. C'est seulement à cause du commissaire Z, qui avait tout fait pour prouver mon innocence, que je vous reçois. Donnez-moi une minute. Après mes nombreuses recherches, j'ai découvert que le seul moyen pour se souvenir de ce qui s'est passé, c'est de rentrer au dernier endroit où vous vous trouvez avant votre rêve. Prendre la même position que vous aviez et de surtout faire le vide dans votre tête. Ne pensez à rien. Ensuite, mâchez et avalez quelques-unes de ces graines. Cela augmentera votre concentration et éliminera l'illusion dans laquelle vous vous trouviez en ce moment-là. Si vous êtes suffisamment concentré, vous allez certainement voir et entendre tout ce qui se passait autour de vous ce jour-là. Utahabena Uyap Uheban born in the Tamb Uyimbai Mangaban Sevele Mos Bumbo, eh? Utahabena Ya Ukanga Behe Uyap. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as fait un autre cauchemar? Non, chérie. Pourquoi? Tu grelottais sur le lit. Non. C'est juste un coup de froid. Ça va aller. D'accord, si tu le dis.
Madame, j'avais déjà ma petite idée là-dessus. Nous avons fait des recherches de notre côté aussi. Ce que je m'apprête à vous dire va vous surprendre. Allez-y, monsieur l'inspecteur. Tout ce que je souhaite, c'est de connaître la vérité. Voici le document bancaire qui atteste que votre mari a envoyé les trois quarts de son argent dans un compte privé en Suisse. Pardon? Il est déjà entré en possession de cet argent? Et ce qui nous a le plus surpris est que le compte n'est pas ouvert à son nom seul. Il a ouvert ce compte avec pour bénéficiaire Oudu Imani. Oudu. Franchement, monsieur l'inspecteur, je me doutais qu'il me trompait. Mais de là avec ma meilleure amie, je suis sans voix. Ça veut dire qu'ils ont commandité le meurtre de Moussi ensemble. Nous avons autre chose à vous montrer. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Vous n'avez plus à avoir peur, madame. Avec les preuves que nous avons, il n'est pas prêt de revoir le soleil de sitôt. Il est passé aux aveux complets. C'est lui qui a appuyé sur la gâchette. Il dit reconnaître votre mari comme le commanditaire, mais ne reconnaît pas Oudu. Inspecteur, je n'arrive pas à le croire. Dom aimait sa sœur. J'avais même l'impression qu'il aimait plus que moi. J'ai déjà eu à voir pire que ça. Rien ne peut plus me surprendre dans ce monde. D'après lui, l'objectif de votre mari était que vous vous sentiez coupable et qu'après vous vous suicidiez. Voilà pourquoi ils vous ont drogué. Malheureusement pour eux, ça n'a pas marché. Inspecteur, je ne peux pas le croire. Je suis son épouse et moi aussi sa sœur. Elle était sa seule famille. Comment un homme peut en arriver là? Madame, aujourd'hui les gens sont prêts à tout pour de l'argent. Nous avons assez de preuves pour inculper votre mari. Mais pour Oudu, nous aurons besoin de vous pour savoir son degré d'implication. Comment ça? Voilà ce que nous allons faire. Mais comment as-tu pu être aussi stupide?
Chérie, je pensais pas qu'elle allait soupçonner quoi que ce soit. Non! Non et non! Je t'avais demandé de te débarrasser de ces vêtements, mais toi, tu as préféré aller les mettre dans votre chambre. Je voulais qu'elle croie que c'est elle qui les a vraiment portés au cas où elle tombait sur ses vêtements. Mais toutes les personnes qui ont été droguées par cette herbe ont fini par devenir folles ou se suicider. Mais comment se fait-il qu'elle a pu retrouver la mémoire aussi vite et mettre la police sur notre piste? Chérie, ne te mets pas dans cet état. Notre fille à l'aéroport, va plutôt dans la chambre, prends les billets, cassons-nous de ce pays. On a assez d'argent pour vivre le restant de nos jours. J'ai vérifié nos comptes en Suisse. Et dans ta dernière transaction, il manquait 3 millions d'euros. C'est vrai. Je comptais te le dire dans l'avion. Je les ai mis dans le compte de Sinque. Pardon? Dans le compte d'une femme qui n'arrive même pas à te donner une descendance? C'est mon épouse. C'est ton amie. Il fallait quand même lui laisser de quoi vivre. Mais chérie, tu ne penses pas que nous en avons assez? C'est vrai. Tu as raison. Un toast à notre nouvelle vie. Chérie, tu penses que c'est vraiment nécessaire ce verre? Filons à l'aéroport, on ne sait pas ce que la police attend de nous. Ce toast, c'est pour dire adieu à ce pays et pour nous apporter la réussite dans notre nouvelle vie. J'y tiens vraiment. Puisque tu insistes, je ne peux rien te refuser. Chérie. Oui, mon amour. Avant de partir, j'ai quelque chose à t'avouer. Quoi, chérie? Je n'ai pris que 2 billets d'avion. Mais pourquoi? Nous n'allons pas laisser Saïda ici. Mais qui t'a dit que c'est Saïda qui restait? C'est toi qui restes. Je sais que la police n'a rien contre moi. Et toutes les preuves mèneront à toi. Tu vois donc, je n'avais pas le choix. Cet inspecteur ne doit pas remonter jusqu'à moi. Oudou, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que tu m'as donné? Non, chérie. Je suis vraiment désolée. Mais tu es le seul à savoir que j'ai participé au meurtre de ta sœur. Et connaissant ta faiblesse, tu finiras par parler un jour. Oh. Oh. Je t'ai donné un poison. Et si tu n'es pas pris en charge dans 3 heures, même Dieu ne pourra plus rien pour toi. Wow.
La reine du lycée se réveille enfin. Mais pourquoi, Odo? Pourquoi? Je croyais que tu étais mon amie. Ma sœur. Ma confidente. Ton amie? Ton amie, tu dis? Tu avais toujours tout ce qu'il fallait, quand il fallait. Tu étais brillante et on ne voyait que toi. Première au lycée. Première à l'université. Et même dans le monde professionnel, tu m'as dévancée. Et tu dis être mon amie? Jamais. Jamais tu ne m'as laissé être devant toi. Je ne te comprends pas. Tu ne peux même pas me comprendre. Et pour enfoncer le clou, tu t'es mariée avant moi. Mais j'ai décidé que tu ne me dévanceras pas en enfantant avant moi. Comment ça? Tu es si naïve. Non seulement je t'empêchais de tomber enceinte grâce aux potions que je mettais dans tes boissons, à chacune de nos rencontres. Et Dieu seul sait le nombre de fois qu'on se voyait en semaine. Après, j'ai entrepris de faire un enfant avec ton mari. J'ai dû le droguer maintes fois pour l'avoir. Puis j'ai lâché prise en me disant qu'il se mettrait définitivement avec moi et te jetterait. Mais non. Son amour pour toi primait toujours sur tout. Pourquoi avoir tué moi aussi? Elle n'avait rien à voir dans tout ça. Certes, mais j'avais aussi besoin de sa part d'héritage. Lorsque j'ai appris qu'un homme deviendrait son héritier si elle mourait, j'ai entrepris de l'éliminer. Pour aller avec assez d'argent et pour être heureuse jusqu'à la fin de mes jours avec ma fille. Te mettre le meurtre sur le dos était si facile, car tu avais un alibi fort. Ton besoin d'argent pour la fécondation in vitro. Il m'a suffi de menacer un homme de lui retirer Saïda. Et il l'a fait, mot pour mot. Tout ce que je lui recommandais. Tom, ne me dis pas que c'est vrai. Tu n'as pas si facilement accepté de participer au meurtre de ta soeur que tu aimais tant. Son amour pour sa fille a primé sur l'amour pour sa soeur. Mais malgré qu'il était drogué, il n'a pas pu la tuer. Alors j'ai dû faire le sale boulot moi-même, comme d'habitude. Mais l'homme en noir a avoué devant les policiers que c'est d'homme lui-même qui a tiré sur sa sœur. C'est justement le deal que j'avais avec lui. Il n'était que complice de meurtre. Dans quelques années, il sortira et il aura sa part. Bien comme celui qui ose te croire. Tu n'es qu'une manipulatrice. Tu vois pourquoi je dis que tu es naïve? Le monde entier est manipulé. On nous manipule à longueur de journée. Les médias, l'école, les livres. N'as-tu pas appris que le serpent a manipulé Ève, qui à son tour a manipulé Adam, qui à son tour a cru manipuler Dieu? Très bel exemple. Et tu connais les conséquences de cet exemple biblique. Tous ont été punis à la hauteur de la manipulation. C'est ce qui t'arrivera toi aussi. Tu vas mourir, ça t'amuse? Ça m'amuse parce que tout ce qui s'est passé dans cette pièce a été enregistré. Et dans quelques minutes, la police va débarquer ici. Donc tu peux me tuer. Je n'ai plus rien à perdre. Tu iras en prison le restant de ta vie avec une conscience pleine de remords. Tu racontes n'importe quoi, je te crois pas. Tu bluffes! Ah bon? Alors regarde bien le téléphone dans ma bouche. Arrive ton compte, le mes plans. Je ne veux pas que tu sois vivante pour voir ça. S'il te plaît, pitié! Police! Jetez votre couteau, madame. Et gardez vos mains bien en évidence. Vous êtes en état d'arrestation.
On dit que certaines choses sont impardonnables. Mais aujourd'hui, grâce au Christ, j'ai appris à pardonner. J'espère que les années qui te restent à passer en prison t'aideront à devenir quelqu'un de meilleur et de faire un véritable examen de conscience. Ta fille grandit très vite et je suis sûre qu'elle sera une femme accomplie. De mon côté, tout va bien. J'ai terminé mon traitement et aujourd'hui, je n'ai plus besoin de faire recours à la fécondation in vitro. Ma fille Maury commence déjà à faire ses premiers pas. Nous avons fait un test qui s'avère positif. Nous attendons un autre enfant.